Bon, chérie, il faut qu'on regarde un petit peu les statistiques YouTube de notre fille Aphrodite. Alors, Oui. qu'est-ce que ça Fais-moi donne? ça. Oh! Fais-moi ça, là. Attends, Alors, attendez, je vais. sa dernière vidéo, elle a fait 3 millions 5 de vues, ce qui est vraiment pas mal. On va pouvoir s'acheter une nouvelle voiture bientôt si elle continue. Ouais, mais après, comment dire, c'est pas mal, mais c'est pas assez, quoi. C'est vrai qu'on peut faire mieux à la place de faire une vidéo par jour. Ce que je propose, c'est qu'on fasse deux vidéos par jour. Ouais, clairement, c'est ce Comme qu'il faut, ça. hein, parce que on peut gagner de la moula, sans souci. Exactement. Comme ça, si elle fait deux vidéos par jour, bah, d'ici quelques jours, on peut s'acheter une Porsche. De fou, c'est Ça. important. Bah, bien sûr. C'est hyper important. Je pense que voilà, on va aller la chercher, puis on va tourner une vidéo pour notre chaîne YouTube. Ouais, c'est pas con ça, ouais. Ok, bah on va aller la chercher alors. Vas-y. Aphrodite! Ah, Petite. tu es là, Aphrodite! Oui, maman. Écoute, Aphrodite, faut que tu viennes tourner une vidéo, ma chérie. Encore, mais on en a déjà fait une aujourd'hui. Eh ben Bah c'est... écoute, vas-y, explique, et ton papa va t'expliquer. D'accord. Donc en fait le truc c'est que une vidéo par jour, tu vois, c'est bien, je veux dire, hein, tu vois, on gagne pas mal d'argent. Mais malheureusement c'est pas assez pour acheter une Porsche, voilà, tu vois, t'achètes des cadeaux, tu vois. Et en Mais fait... vous avez déjà acheté trois voitures ce mois-ci. Ouais, mais on en a encore besoin, tu sais, c'est comme ça, c'est la famille, hein. Ici on marche à flux tendu, hein, tu vois. Donc ouais, ce serait deux vidéos par jour pour pouvoir gagner de la moula, tu vois. Ouais, parce que Mais bon, s'occuper de toi, ça coûte cher, hein, ma fille. Ah ouais. Et mes devoirs, j'aurai pas le temps de les faire. Ah, c'est Euh, pas t'inquiète pas, grave. tu vas à l'école. Tu feras à l'école ou cette nuit, tu dors pas et tu feras tes devoirs toute ta nuit, quoi. C'est pas grave, ça. Pas de mais. Écoute, tu veux faire quoi plus tard dans la vie, Aphrodite? Bah, je voudrais être infirmière. Eh ben non, tu seras youtubeuse, d'accord? Voilà. Pourquoi? Parce qu'on est tes parents et on sait ce qui est le mieux pour toi, ma chérie. D'accord. Parce que Voilà, je vais donc faire t'as ça pas besoin alors. d'étudier, ma fille, d'accord? Ça va être Voilà, tout. donc les leçons, ça sert à rien. On demandera à la bonne de faire tes devoirs, t'inquiète pas. D'accord. Bah, peu. D'accord. Ok, viens, ma chérie, on va descendre en bas, faire la Vas-y, vidéo. viens, on Ok, je pense qu'on va Alors, tourner dans le salon. ouais, avec la grosse Alors. télé là, ça fait riche et tout, c'est très très bien. Voilà, alors attends, je vais hop chercher le jouet. Donc tiens, Attends, je vais te le je donner. passe un peu l'aspirateur ici, c'est important. Ah Ah oui, mais mais dans attends, pour l'aspirateur, faut pas oublier de le mettre aussi dans la vidéo hein, pour faire la vidéo pour l'aspirateur Oui. Rowenta. Et le placement de produits. Mais Ben, bien oui. sûr. Je vais le D'accord. garder avec moi. Je vais le Don garder et je vais le mettre. donne l'aspirateur à notre fille. Ferait de Ça la pub pour va. Voilà, comme ça, elle va passer l'aspirateur. Elle va dire, oh, lui. c'est trop bien de faire l'aspirateur, Wenta. L'aspirateur là. Ben, d'accord. Vas-y. Oh, l'aspirateur. C'est Voilà. très très bien. Donc, Voilà. hop, je prends la caméra. Alors, ce qu'on va faire, c'est simple. On va commencer la vidéo avec papa et toi derrière tu fais l'aspirateur, d'accord? Moi je vais filmer papa et on va se D'accord. dire dans la vidéo, oh notre fille fait l'aspirateur et on va venir, on va te poser la question, c'est pour que ça fasse naturel. Et on va dire mais qu'est-ce que tu fais Aphrodite? Et là tu En nous plus. diras en gros, oui bah je passe l'aspirateur, c'est trop bien l'aspirateur Rowenta, je m'amuse trop, c'est trop cool. D'accord. Hey, chérie, regarde, en plus j'ai retrouvé le micro donc on pourra l'entendre. Parfait. Ok, comme ça Voilà. fera naturel. Ça fera genre on fait un Oui. vlog de famille et tout, et notre fille, elle fait l'aspirateur. D'accord, De bah fou. naturel. Ok, c'est bon, t'es prêt, chérie? Attends, mets-toi devant la caméra parce que derrière, après, on ne te voit plus. Ok. Ok, ça tourne. Et salut les copains et les copines!
aujourd'hui, avec le papa d'Aphrodite, on fait un petit vlog. Oh, mais regarde, voilà. Chérie, qu'est-ce qu'elle fait, Aphrodite ? Regardez, elle est en train de faire l'aspirateur. C'est son nouveau jouet et elle l'adore profondément. On peut le dire aussi que c'est un petit placement de produit, voilà, fait par une marque assez flux tendue. Donc, on va demander à notre chère fille de nous présenter cet aspirateur de qualité magnifique, ma chérie. Hein. Bah alors, Aphrodite, tu fais quoi, ma chérie ? Bah, je fais de l'aspirateur Wenda, c'est trop cool, aspirateur Wenda. T'aimes bien faire l'aspirateur ? Oui, acheter l'aspirateur Wenda avec notre code 1234 cool et vous aurez moins 50%. Voilà, donc regardez, achetez des Rowenta, regardez vos enfants, ils kifferont faire l'aspirateur chez vous et vous aurez plus besoin de le faire. Trop génial. Ok, c'est bon, c'est coupé. Ah là là. De toute façon, on l'utilise pas cet aspirateur, on a déjà l'aspirateur automatique. Bon. De fou. C'est de la merde en plus cet aspirateur, je crois. Mais c'est clairement. Pas grave, on a déjà accepté le chèque, donc c'est bon, ouais, c'est pas bien grave. Bon. Bon, du coup, tu prends ta poupée bébé là. Ouais, je vais la prendre. Hop. Voilà, et en fait, on va faire une sorte de petite vidéo. On te présente la nouvelle poupée. Attends, c'est quelle marque ça déjà ? Oh, je ne sais pas du tout. Hein, Attends, tu sais quoi ? Je vais regarder sur l'ordi là-bas. Vas-y, regarde ce qu'ils nous ont envoyé comme brief pour cette poupée. Donc en gros, tu vas t'amuser avec la poupée pendant qu'on te filme et tu vas dire « Oh, elle est trop bien cette poupée, faut trop que vous l'achetiez. » D'accord. Chérie, d'accord, ma chérie, oui. La marque de la poupée, c'est Bloodline. Ok. Bloodline, ok. Bloodline, d'accord. C'est un peu creepy, mais d'accord. Ils sont bizarres, les marques. Et... D'accord, évidemment. Donc en gros, faut que tu t'amuses avec la poupée, pour que tu montres que tu t'amuses trop bien, pour que les gens, ils achètent la poupée, d'accord ? D'accord. Ok, attends, viens, vas-y. Mets-toi au milieu du salon. Hop. Ok, au pire, mets-toi là, c'est bien. Comme ça, on va pouvoir te filmer. Ok, là. Vous êtes prêts ? Vas-y, chérie, tu peux le faire. Ok, c'est bon, ça tourne. Oh là là là. Regardez, on était en train de vlogger, puis on tombe sur Aphrodite. Bah, tu fais quoi, Aphrodite ? Bah, je joue à la poupée. Ah ouais, c'est... Quelle poupée, ça, ma chérie ? Elle est trop bien, cette poupée. C'est la nouvelle poupée de la marque Bloodline. Bloodline, pardon. Voilà. Ok, attendez, je coupe. Ça va pas du tout, Aphrodite. Ça se voit trop que tu t'amuses pas, donc c'est pas bien, d'accord ? Mais oui, c'est vrai. C'est la vérité. Elle est trop nulle. Non, c'est très très bien. On gagne de l'argent grâce à ça. Donc tu vas pas nous, nous emmerder, d'accord ? Donc tu vas faire la fille joyeuse. Qui joue très très bien, qui est heureuse avec nous. Et vraiment, tu prononces bien le nom Bloodline, ok ? D'accord. En plus, on n'est pas là pour jouer, on est là pour travailler, d'accord, Aphrodite ? D'accord. Voilà. Donc, pour travailler, tu t'amuses. D'accord. C'est ton travail de t'amuser, d'accord ? Oui, c'est un travail. Oui, voilà, c'est un travail, mais il faut que tu t'amuses, d'accord ? Parce que c'est ton travail de t'amuser, donc oublie pas que quand tu t'amuses, bah tu travailles, d'accord ? Mais là, et nous, on était patron. Mais l'argent que vous gagnez grâce à moi, vous donnez à des associations, des trucs comme ça ? Bien sûr, papa et maman, ils donnent à plein d'associations pour les animaux. Tu savais, chérie, l'autre jour, on avait... Oui ? On avait sauvé... c'était des mammouths. Les mammouths, oui. On a sauvé les mammouths et aussi les girafes de Sibérie. Voilà. C'est cool. Tu vois, ma chérie ? Donc, ton travail, tu sais il aide plein d'animaux. C'est ça, là. Et tu sais, on n'était pas patron, hein. Toi, t'es notre salarié. Voilà quoi. Oui, tu t'amuses quoi. Voilà, c'est sympa. Tu m'amuses beaucoup là.
En plus, on a déjà, signé pour la voiture, donc faut travailler. Voilà, tout simplement. Hop. Et rigole. Ouais, tu rigoles. Voilà, tu souris, tu rigoles. Comme la poupée. Et oui, achetez la poupée Bloodline, s'il vous plaît. Comme ça, on sauvera les girafes ensemble. D'accord. Si tu veux, on coupera ça au montage, d'accord. Et on mettra une petite musique. C'est quoi, mon... Oui. Qu'est-ce que t'as dit, Aphrodite? C'est quoi, mon Taz? Oh, t'inquiète pas, t'es trop jeune. C'est pas pour toi, ça. T'inquiète pas. Ouais. Ouais, on va clairement couper ça au montage. Ouais. Parce que là... Ouais, c'est pas fou, quoi. En fait, Aphrodite... t'es pas pro, hein. T'es pas professionnel, c'est pas très bien ça. T'as vu ta tenue en plus? Va pas. N'es pas pro. Mais oui, mais je suis pas encore très expérimentée. Tu l'es depuis que t'es bébé, on fait des vidéos. Bah oui, mais en ce moment, c'est pas en ce moment. Un peu moins bien que d'habitude, quoi, parce que. Et bah ta mère, elle va t'entraîner, tu vas voir. Mais oui, tu vas travailler à la chaîne, tu vas travailler à la dure, ok? Tu les veux tes chaussures Balenciaga? Bah, oui. Oui, bah faut que tu travailles, d'accord. C'est pas gratuit. Mais vous avez déjà plein d'argent, pourquoi vous pouvez pas l'acheter? Bah tu vois, parce qu'on travaille dur. On essaie de t'inculquer les bonnes valeurs, de bien travailler. Regarde comment on travaille. Papa et maman, ils travaillent très beaucoup. Ah bon, mais vous faites quoi alors? Bah on t'éduque. Bah c'est pas un travail ça. Regarde mon iPhone, comment il est beau. Mon iPhone 58. Magnifique. Et bientôt il y a 59 qui sort, donc il va falloir qu'on passe à 3 vidéos par jour, je crois, chérie. Hein. Ouais, parce que bon, l'iPhone 59 à 43 000 euros, c'est pas donné. Attends, chérie, il y a quelqu'un qui m'appelle. Mais vous n'avez pas besoin d'avoir à chaque fois le dernier iPhone qui sort, c'est pas bien grave. Mais si c'est grave, t'imagines si les voisins et tout le monde ils voient qu'on n'a pas le dernier iPhone. Mais regarde nos voisins, ce qu'ils ont comparé à nous. Eux, ils ont que l'iPhone 12. Bah oui, mais tu sais, ça parle beaucoup entre voisins et nous, on est les meilleurs ici, on veut rester les meilleurs. Bah c'est pas grave. Si on est bonne nouvelle. Oui, qu'est-ce qui se passe, chérie? Avec la vidéo qu'on a faite hier, ce qu'on a fait pour les partenariats, ils aimeraient bien qu'on fasse encore plus de partenariats avec eux et qu'on les voie bientôt là. Ils aimeraient bien nous voir en tête à tête. Et ils ont dit que la petite fille leur a plu, donc ils voudraient la remettre au théâtre de Paris. Ils veulent la mettre, mais comment on fait si on la met au théâtre de Paris, chérie? On ouais, ferait comment les problème. Vidéos ouais, donc faut pas accepter. Bah non, parce que c'est notre argent, quoi. Ouais, ils m'ont dit, ouais, vous donnez la réponse demain. Et non, on va pas la foutre là, parce qu'après, on pourra plus faire les vidéos, on pourra plus avoir de la moula, et on pourra pas avoir l'iPhone 59, avoir des cadeaux, bien évidemment. D'accord, donc t'entends, Aphrodite, t'iras plus à l'école, d'accord? C'est fini l'école, ça prend trop de temps et ça sert à rien. Et toutes mes copines? Enfin, ils sont toutes moches. À un moment donné, faut arrêter les copines, c'est pas elles qui te font gagner de l'argent, d'accord? Tu comprends ça, Aphrodite? Les amis, c'est important d'avoir des amis dans la vie. Non, elles vont te trahir, tes amis, et je parie qu'elles parlent mal dans ton dos et que c'est des poufias. Ils sont jalouses de toi. Mais non, c'est pas vrai. Ouais, et même la dernière fois, j'ai entendu dire ta meilleure amie, elle a dit ouais, non mais Aphrodite, elle pète plus haut que son cul. Mais c'est quoi un cul? C'est tes fesses, Aphrodite, tes fesses. Tes grosses fesses. Mais ma copine, elle Élisandre. T'es grosse, Mélisandre. Mais elle dit pas ça sur moi, mon ami, d'accord? Ta pote qui a dit ça. Ta pote, en plus, t'imagines, toi? Ta pote, elle sait même pas ton prénom. Et elle dit devant toi, tu es grosse, Mélisandre, tu ne buvais pas. Non, je suis pas grosse. Grosse. Allez, va dans ta chambre te reposer, Aphrodite, on arrive, hein. Bon, chérie. Je crois qu'elle nous a cru, hein, pour ses copines, donc elle ira plus à l'école comme ça. Elle est un peu débile. On va pouvoir la garder à la maison toujours et on va pouvoir faire encore plus de vidéos maintenant qu'elle va plus à l'école. Fou. C'est trop bien, ça, non? Bien.
Oh, j'ai trop hâte de gagner plein d'argent. Je voulais m'acheter la nouvelle tenue. Il coûte 43 millions d'euros. Ah ouais, on pourra gagner ça. Celle avec plein de diamants, tu vois, la belle robe avec plein de diamants et tout. Ouais, c'est trop trop bien. Bah j'ai hâte de découvrir un moula, de voir cette moula et tout. Oui. T'imagines, demain, quand on va aller à la prochaine soirée, on aura plein de diamants sur nous. Trop bien, non? De fou, oh là là, on sera un bijou. Bon, je vais préparer les nouvelles OP pour gagner encore plus d'argent, d'accord? Tu sais, moi je vais appeler le mec pour que je refuse. Ouais, ou au pire tu l'appelles pas, on s'en fout, c'est qui lui d'abord? Ouais, enfin... Nous on est des gens, moi, hein, lui c'est qui d'abord? C'est rien lui. Mais c'est personne, d'accord? Personne. Nous on est des gens, pas personne. Lui. Voilà. Bon, je vais aller sur l'ordinateur travailler sur les prochaines OP déjà, et au pire, toi tu briefes déjà Aphrodite sur la prochaine vidéo, d'accord? Ok, pas de soucis, je vais dans sa chambre. Vas-y. Thank you.